Bonjour les Samba Vilinois, les Samba Vilinoises. Qu'est-ce qui se passe? On se le demande. Aujourd'hui, on ira au Japon. Mais pourquoi? Tu savais que le tatouage, c'est super mal vu au Japon? Hein? Jingle. Tu savais que le tatouage c'est super mal vu au Japon? Donc personne ne s'est tatoué? Seulement. À combien de pourcentage? 2% des Japonais sont tatoués. 10 sous. C'est petit. Ah ça. Et si tu te tatoues? Et si tu es tatoué au Japon, les compagnies d'assurance peuvent refuser de t'assurer. Pourquoi? C'est parce que, historiquement, oui, le tatouage c'est très mal vu au Japon. Tout ça a commencé quand? Au 19e siècle. Ah ça. Ça a été totalement interdit. Ah bon? Mais pourquoi? Car c'était considéré sauvage d'en avoir. Alors, mais le thé me fait les trop pleurer, quoi. Donc, personne ne se tatoue. Seuls les yakuzas ont continué à se faire tatouer. Pourquoi? Et donc, aujourd'hui, la tatouage est liée à l'image des yakuzas. Chégué! Actuellement, 21e siècle, c'est encore comme ça. Aujourd'hui, les tatouages commencent tout doucement. À faire quoi? À se démocratiser. Ah bon? Mais ça reste tout de même très marginal. Il est risqué. Incompréhension. Au Japon, les entreprises... Mais comment ça se passe avec les entreprises? Les entreprises sont très regardantes sur l'apparence de leurs employés. Tu as un exemple? Oui! Allons-y. Par exemple, avoir les cheveux colorés... Ça peut causer quoi? C'est assez mal vu et ça peut t'empêcher d'être embauché. Donc si j'ai des tatouages. Si t'as des tatouages, c'est même pas la peine d'y penser. Chégué! Pourquoi? Les entreprises détestent ça. Quelle humiliation! Quand tu te balades en public avec tes tatouages. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Il est possible que tu fasses peur à certains Japonais. Pourquoi? Parce que ton image peut être rattachée. À quoi? À celle des Yakuza. Ah! Donc on ne voit pas du tout. C'est très rare. Mais tu me fais trop pleurer quoi. Et si je fais la demande de prêt? Mais lorsque tu fais une demande de prêt, certaines banques te demandent si tu es tatoué. Là, si je suis tatoué. Et si tu l'es? Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Mais qu'est-ce que c'est? Franchement. C'est ça, ça veut dire quoi? C'est mort. Hein? Méfie-toi. Comment? Pas de prêt pour toi. Je ne comprends plus! Non, mais je suis dépassé. Bravo. Abonne-toi là-bas. Merci beaucoup pour les gens qui ont partagé. Merci, merci. Au fond de mon cœur, je vous aime. Plus ainsi ta bénédiction. Mets la force dans ce que tu as de faire. Il faut vous accrocher. Je suis là. Alléluia. Benoît.